Révérend, vous avez assez de similitudes avec mon grand frère qui est là-bas. Parce que de la manière dont vous donnez des recommandations, exactement c'est lui. Et ça, je lui ai chuchoté quelque chose à l'oreille. J'ai dit ça, c'est Céleste. Nous allons prier. Comme je disais, le prophète est bien posé là pour ceux qui sont comme des côtes. L'huile que vous voyez là, c'est vrai que vous allez vous enlever une huile d'olive. Ça devient huile sainte lorsqu'il y a une prière. Or, l'huile sainte, dans la Bible, c'est le symbole de l'esprit. Or, Dieu a pris l'esprit, son esprit, pour régler toutes choses. C'est en même temps quelque chose de bien, et c'est en même temps quelque chose qui détruit le mauvais esprit. Et c'est pour apporter la vie là où il y a la mort. Parce que, avec tout ce que vous venez de compter comme histoire, vous ne vivez pas pratiquement. Mais justement, puisque Jésus-Christ est mort, Jésus a vécu ce mal à la croix. Et Jésus va vous redonner encore la vie. Il y a de l'espoir. C'est vrai qu'en parlant, j'ai senti en vous une personne qui a la foi. Le fait de penser que votre sœur peut avoir encore quelqu'un pour sécuriser sa vie, c'est encore preuve de foi. Le fait de prendre le temps de nous écouter, c'est encore la foi. Et Dieu se base sur ce principe de la foi pour agir. J'en ai trop de témoignages de la main de Dieu. C'est manifeste dans les villages et dans les villes. Et comme je disais encore, ce n'est pas le fruit du hasard, cette rencontre. C'était déjà prévu par Dieu. Parce que Dieu a quelque chose à faire. Or, si ce n'est pas réglé, tout ce que vous allez envoyer en justice, ça ne va pas aboutir. Tout ce que vous allez faire, tout ce que c'est quelque chose qui est rentré dans la famille, qui vous fait perdre des choses. Quand vous expliquez, chacun a son problème, chacun a quelque chose. Voilà. Donc, vous allez beau faire des démarches administratives, beau faire des choses, ça ne va jamais aboutir parce que la chose est spirituelle. Or, quand il y a un problème spirituel, il faut l'intervention du spirituel. Et c'est ce qu'ils sont venus faire d'ailleurs. Et à la source. Comme je disais, un petit arbre, on peut le déplacer d'une forêt. Tout compte fait, ça a été déplacé. Et c'est là où ça prend racine. C'est là. C'est là. C'est là que les choses vont se passer. Donc c'est ici que tout ça s'est réglé. Amen. Amen. Je pense que Dieu est vivant. Amen. Il est vivant. Il est un Dieu de justice. Dieu est juste. Et il saura comment régler vos problèmes. Et je vous dis, j'ai fait confiance à la sa souveraineté. Je sais comment Dieu agit. Je sais comment il nous utilise pour la délivrance des villages et tout ça. Et je suis convaincu sur ça que je suis. Si je n'étais pas convaincu par le Saint-Esprit, je ne pourrais même pas être ici. Vous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est votre témoignage, le changement de votre vie. Parce que Dieu est béni, Dieu transforme les gens. Nous avons trop de témoignages des personnes que nous avons visitées, dont Dieu a délivré aujourd'hui tout ça. Mais Dieu ne peut pas venir te faire sortir d'une merde et puis ne pas empêcher l'ennemi. Ça veut dire quoi? Quand Dieu faisait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, Dieu a tué les Égyptiens. Ceux qui les ont voulu après, les a tués. C'est l'action que Dieu va mener. Il va écraser vos ennemis. Et il aura la restitution qui va se faire. Alors quand Dieu se lève pour vous délivrer, il permet à l'ennemi de restituer vos biens. Quand le peuple d'Israël sortait du pays d'Égypte, les Égyptiens ont restitué tout ce qu'ils devaient aux Égyptiens. Et tout ce qu'ils ont acquis de l'Égypte, ils ont emmené ça à Canaan. Amen. La restitution se fera par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, je vais te symboliquement, comme j'ai dit, c'est le code. Donc, voici maintenant le code qui s'explique maintenant par les actions. Ici, la parole, elle est puissante, la parole. Et la parole est sacrée. C'est la parole qui fait que nous prions tout ça. Donc, ce que vous allez faire tout à l'heure, c'est une prière. Vous allez prendre de l'huile, souvent, et parler. Tout ce que vous venez de dire, vous le mentionnez devant Dieu. La vie de chacun. Voici Dieu. Je t'en prie. Libère. C'est comme si tu tentais de faire libération. Et tu vis toute la bouteille. Voilà. Où, à quel endroit? Mais ici. Ici, maintenant. Oui, ici, maintenant. Tu te tiens debout. Et dans ta langue, ma belle. Tu commences, hein? Tout ce que tu as dit en français. Oui, c'est. Les morts successifs, là. Arrête de tout ça. Il y a mieux soin, il y a bandé. Il y a mieux maille. Aurou, il y a bon. Aurou, il y a bon.
si uli ni uli ni amamkwa kwa kwa ba uli diwa jusan eso vi evirien mo kumkina e kwa 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 benga ya kabe ma yon sandie benga be uli ni be mamo ma be yon sandibe se sukuye we ko ma be sifuwa uso benya juma be di bla onu onya biya oja ouba biyesua uso benya bla beja be ouba to pati kura bo be kura ngaun ikura tu o to bro bakasi nike be kura nga bo ben yeti nike ye kpo fo mko ko ga tu ni nike nzunga bo ngwe ase wan be tisu ngwe wa be kwa kwa ga tu be yamie okpali be sa ni o joba ngun ma ni na o mai ngwa nike kura nga we yo ma yamie fe sa fa sisu mon natikrema afin moi je souffre mais sur des affaires vie afin elle voit ses sous là c'est adieu au dieu mort c'est que et au dieu que non c'est à son vie son vie finie oh son courage vie finie moi ses sous et yenga est là blau yenga est là bien oh y a quoi tout y a quoi quand on y a quoi ça loue à quoi oh et vous sous on l'aime bien mais vous sous y a bien ou à babi nous c'est le corps blau ou à babi ou vous sous y a on y a bien mais y a quoi tout nga ndenga mura filio afin on croit quand même pas ndenga mura filio ouais eh eh ouais ouais nyame ouais wuro son pro eku ye esinde kwakwa ye bo bo ye sin ye ni be diri bo loye be wurumi bo iso ande sa son bi makotan so bo be so fe so die bonu ouais si son deni na wenta voilà fon abe fu ni ge kwa nga yo moyo na wure ma be jasu buson so suno nga bo be so fa ba si so bo be le ma bon fu bo ba fa ba si so bo so ma be e so de suno ne bo be so ma be si ka be fa din be tra be we ni so be nga bo be la bon fu be la ni fe bo so ba tra ba tra bon su be tra be we ni so ma bon yu ye de eh mi sukru usuma bo nyore bo suno ba fa sa ba fa si so ya fo ko jun si we bo mi ya ba bu ku sa bo fa di bo bo mi ya ba bu ku na fa di bo wan mi sukru ni dele vous c'est que à fond là vous faites il y a 2015 là même sous couleur média mon média une des courants là ma boy bon ce camp mais quoi y est na ouais là ngamou la filio ndengamou la filio il sort bien dele y a mieux vous mukun vous y quoi y kun quand il sort bien des femmes et nique on soit moi dimanche nous ni mon au fait au disson bien blabla voilà. Eh be kura ye to pati ye ndo na to pati ofo kura kokoko tu bo ye mbrinu be kokoko tu ma be nya yiri pa be yo ma ni ke be nya o ni ye su amo e o wa o ni ke anjira su amo wa nya ma nya me fe sa fa si su amo wa bo ye kokoko tu ye ko ye ba bo ye danu ya me fe sa fa si su aso so eh nya me fe sa fa si so o ye ke nya me bo ye aso nu su asa tron kura ngo wo wa onya mo ayi onya mo ayi krema amen. C'est bien dit. Bien. Bon. Non, mais écoute, c'est bien dit. J'ai dit et tout ce que je ne peux pas dire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'on appelle l'action prophétique. J'ai toujours expliqué l'action prophétique, c'est comme un code. Élisée s'est rendu, et Naaman s'est rendu chez Élisée. La guérison d'Élisée, ce n'était pas une question de prière. C'était une question d'aller plonger 7 fois dans le Jourdain pour sa guérison. Nous avons vu l'invitation des gens de Jéricho. Ils ont invité Élisée à prier pour Jéricho. Élisée est allé prendre un plateau, il a demandé un plateau neuf, plus de l'huile, et qu'il allait jeter dans la source. Et le mal s'est arrêté. Ce que nous sommes en train de faire n'a rien à voir du fétichisme, ni du maraboutage. Nous avons vu Jésus-Christ dans Jean le chapitre 9, qui a même pris la salive, qui a fait de la boue, appliqué sur les yeux de l'aveugle. Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 9, à partir du verset 1, du verset 7. Ce que nous sommes en train de faire, c'est comme un couvre. Tout est dégradé dans cette famille. Tout est en train de se détruire. Tout se détruit. Et les gens ne savent plus où mettre la tête. Alors, Dieu nous a inspiré à faire une action prophétique. C'est ce qu'on appelle une action prophétique. Il a parlé en tant que chef de famille ici. Moi, je viens en tant qu'homme de Dieu parler pour dire toutes les paroles prononcées par celui qui a la tête ici. Toutes les paroles
prononcer. Toutes les difficultés énumérées devant le Seigneur, maintenant, trouvent une solution dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je commande aux forces des ténèbres qui avaient pouvoir, autorité, si cette famille, si cette maison, si les membres de cette famille, chaque vie, je libère chaque vie, chaque personne, chaque enfant du monde de cette famille est libéré par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Pendant que l'huile coule sur la vie de chacun d'entre eux, qui est symbole de la puissance de Dieu. Et je les déconnecte de tout ce qui est mauvaise chose, que les vilaines choses ne les arrivent plus. Au nom de Jésus-Christ, je débloque leur vie. En qualité de prophète de l'Éternel que je suis, je les déconnecte de tout ce qui est mauvais et négatif, et je les libère en ce jour. Parce que Christ est venu libérer les captifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame maintenant la délivrance de cette famille. Je commande que cette famille soit libérée. J'ordonne aux puissances de la sorcellerie de libérer cette famille. J'ordonne aux forces infernales, aux forces des ténèbres de lâcher cette famille. Je la débloque maintenant même et je la libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour, Seigneur, la délivrance que tu accordes à cette famille. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Vous savez, le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Stable. Fort. C'est la force, la stabilité. Et tout ça, c'est important pour nous. J'ai 4 bouteilles d'huile. Je veux maintenant tous les... arrêtez-vous là, devant moi. Mettez-vous devant moi. Voilà. Et puis la vie. Je crois que la puissance de Dieu se manifeste. Je crois que la puissance de Dieu est devant nous en tant que monde. En imposant les mains, Seigneur, je rentre en contact avec tous les membres de sa famille. Je rentre en contact avec tous les membres de la famille. Et je proclame ta grâce maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en libérant les vies au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour la manifestation de ton pouvoir. Merci pour la délivrance qui te corps pour que vous tenez de vous. Allez vous asseoir. Merci pour la grâce. C'est en nom de Jésus. Merci. Jésus-Christ de Nazareth. Pour la manifestation de ton pouvoir et de ta parole. Merci de te manifester. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Seigneur, merci. Nous savons que tu es le Dieu vivant et puissant. Cette terre a été créée par toi. Et je prie, Seigneur, notre Dieu. Et je livre les ennemis de cette famille à l'Éternel, notre Dieu. Que tous ceux qui en veulent, vraiment, travaille ta tête, s'il te plaît. Tous ceux qui en veulent, vas-y, prends soin. Non, ne touche pas le bord là, en bas. En bas là, voilà. Je proclame la puissance de Dieu. Et vous, les ennemis de cette famille, je vous livre au jugement de Dieu. Je vous livre au jugement de Dieu. Je renverse les forteresses sataniques. Je déconnecte toute la famille des pouvoirs sataniques et démoniaques. Je proclame la puissance de Dieu. Maintenant même, notre Dieu. Et que cette famille est libérée. Merci, notre Dieu. Les hôtels sataniques sont détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je communique le bonheur. Que le bonheur et ta grâce pénètrent désormais cette maison. Pénètrent désormais cette famille. La grâce de Dieu se manifeste au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 On se tient debout. Nous te rendons toute la gloire. Toi, miséricorde de Dieu. Et je te bénis, Seigneur, pour cette famille qui, en ce jour, tu as décidé de délivrer. Merci pour cette action prophétique menée, Seigneur, notre Dieu. Nous croyons déjà à la délivrance de cette maison. Au nom de Jésus, nous proclamons ta puissance. Et je livre maintenant tous les sorciers, tous les esprits négatifs à ton jugement. Seigneur, merci. Que la restitution se fasse maintenant même, au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a volé à cette famille, qu'il ramène, le bonheur, le mariage, la prospérité, la richesse, revienne au nom de Jésus. Je proclame la grâce de Dieu.
Je sème la prospérité, la bénédiction. Je détruis la mort prématurée. Je proclame la puissance de Dieu, cette famille. Je proclame que les temps qui vont suivre, que les ennemis tombent, que ces ennemis tombent au nom de Jésus-Christ, que les sorciers mordent la poussière et qu'ils reconnaissent ta souveraineté. Je proclame ta seigneurie au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je vous ai dit que c'est tellement simple. Ce qu'on appelle l'action prophétique, c'est simple. En 30 minutes, on peut régler un problème qui a duré pendant des années. Amen. Nous venons de régler un problème. Amen. Vous-même, vous allez voir. D'ici 3 mois, ceux qui font ça, ils vont parler. Amen. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que les choses vont venir. C'est qu'on n'a pas pu dire oui. Tout ça. Non, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Non, il faut que. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ça vient de se régler. C'est le code vient de se régler. On en a décodé. C'est bloqué, on n'avance pas. Donc, il y a eu un décodage. On vient de décoder. Voilà, on a décodé. Les choses vont commencer à aller par la grâce de Dieu. Vous-même, vous allez témoigner de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Je sais des choses. Mais je ne suis pas venu indexer quelqu'un. Mais Dieu lui-même s'en charge. Amen. On le prend pour lui. Amen. Monsieur, ça va? Il parle pas? Il lui demande si ça va. You kind. Il faut donner ton cœur à Dieu. Hein? Voyez, je te vois dans le noir. Je te vois. Moi, je suis l'homme de Dieu. Ta tête, là, c'est pas trop bien. Donne ta vie à Dieu. Comme ça, Dieu va te délivrer. Tu as compris? Voilà. Faut te donner ta vie à Dieu. Ton cœur, il n'y a pas bon sang dedans. Donne ta vie à Dieu. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci de bénir cette famille. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, Dieu vous bénisse. Amen. On a fini. Maintenant, les bouteilles, appuie sur la caméra, appuie. Mm-hmm. Ça se coupe. On pourra se laver ce soir ou pas? Non. Là ou pas? Ok.